Alors, eh bien, depuis hier, justement, j'ai eu plusieurs conversations avec plusieurs personnes, dont deux très intéressantes, l'une avec un vétérinaire, on va dire, qui pratique depuis plus de 15 ans, essentiellement avec les chasseurs, qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Chose qui certainement ne vous concerne pas, hein, vu votre type de chasse, mais quand même, peut-être ne fût-ce que pour quand vous soignez vos chiens, si parfois il y a un incident, peut-être avec les chevreuils. Et un autre chasseur qui m'a donné en fait un point de vue en toute bonne foi, assez surprenant, mais sur un domaine que vous ne connaissez peut-être pas, qui est la chasse, le rabattage. Donc, alors, premièrement, ce qui moi m'intéresse et ce qui intéressera, c'est, dites-moi un petit peu, quel type de chasse vous pratiquez et en quoi est-ce qu'elle est différente, avec qui, enfin avec qui. Bon, je préfère dire avec qui vous la pratiquez, donc à savoir vos oiseaux de proie et votre chien. Quelles espèces, pourquoi ces espèces-là? Qu'est-ce que vous chassez? Dans quel but? Est-ce qu'il y a aussi un but de régulation? Est-ce que c'est juste une chasse qu'on appelle récréative? Enfin voilà, j'ignore tout de ce sujet-là et donc je suis impatient de sortir moins ignorant de cette conversation. Quel type de chasse que je pratique Par contre, je vous entends très 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 mal. m'entendez mieux comme ça? Ah, beaucoup mieux. Et comme vous savez que c'est enregistré, hein, donc vous le savez, vous en vous souvenez, c'est pour que je puisse bien vous entendre moi aussi. Je vous écoute. Ok. Donc je pratique la chasse au vol, donc la fauconnerie, proprement dit. Donc ce que je chasse, essentiellement du lapin, essentiellement. On peut pratiquer cette chasse par loisir, mais ici en Belgique, c'est plus trop le cas parce qu'on est plus occupé à essayer de sauvegarder les populations de lapins en enlevant les éléments les plus faibles contaminés par la myxomatose et fortifier les populations de lapins. Et je la pratique avec mon chien, mon oiseau. L'espèce que j'emploie, ce sont la buse à queue, enfin, les espèces que j'utilise, ce sont la buse à queue rousse et la buse de harisse. Attends, est-ce que je note en même temps parce que je ne suis pas spécialiste en... Donc la buse à queue rousse et la buse de harisse. C'est ça. Et la blessée, c'est la... Enfin, la blessée ou la âgée, je ne sais plus, c'était ça ou les deux. Ah oui, c'est ma jette, c'est ma buse à queue rousse. La buse à queue rousse, qui est... La 8 ans, c'est ça de mémoire ou je me trompe? Ouais, la 8 ans, c'est pas vieux pour un oiseau, mais Mais c'est on va vieux dire qu'il a pour un 8 ans. chasseur. C'est Non, ça? non, c'est pas vieux pour un chasseur du Non tout, non. plus? On va dire qu'il a pas eu un très bon propriétaire avant, en fait. Ah oui, c'est Tout ça, c'est un simplement. animal maltraité, donc c'est vieux pour un animal maltraité, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà, elle a déjà Et un du coup, vécu qu'elle séjour. n'aurait pas dû avoir. Ok. S'il vous plaît? Elle a eu un vécu avant vous qu'elle n'aurait pas dû avoir et ça fait vieillir d'un coup. C'est ça, en fait, on ne sait pas vraiment trop si c'est vraiment à cause de la personne avant ou si c'est une malformation congénitale, mais voilà. Mais le résultat est là. Donc très bien. Donc vous avez votre trio que vous n'utilisez forcément pas, je pense, en même temps, étant donné que la buse à queue rousse, je suppose qu'elle ne chasse plus ou très rarement. Ou est-ce que vous les prenez quand même chaque fois ensemble? Elle chasse encore, mais elle chasse peu forcément. Qu'est-ce que je veux dire? Vous m'aviez dit que si elle ramenait La buse trois de proies, c'était harisse. Ouais, c'était s'il vous beaucoup, plaît. quoi. Vous m'aviez dit, je pense, si je me souviens, que si elle arrivait à ramener trois proie, c'était beaucoup pour elle. Beaucoup, hein, beaucoup. Ouais. Voilà, donc il fait plus des vols qu'autre chose. La buse de harisse. Alors pourquoi la buse de harisse? Parce que la buse de harisse, c'est une des seules buses qui peut chasser en groupe avec d'autres buses. D'accord. C'est ce que j'allais vous poser la Donc, question aussi à ce niveau-là. Ok. voilà, c'est la seule buse qui peut faire ça. Donc, D'accord. on utilise en général les buses à queue rousse. Si maintenant on va entre amis sur des grands terrains ou quoi que ce soit, on peut éventuellement lâcher des oiseaux en même temps. Mais c'est quelque chose qui se pratique beaucoup, ou vous êtes vraiment un pourcentage, vous êtes 15 en Belgique, ou vous êtes un bon millier? Franchement, en Wallonie, je crois qu'on a compté, on est peut-être 8, 8, 9. Ah ouais, c'est vraiment très minoritaire. Très, très C'est minoritaire. vraiment, allez, j'ai envie de comparer ça à un truc qui n'est même pas comparable, mais
C'est un peu comme un chaudronnier, quoi. C'est presque un art ancestral, quoi. Mais c'est pratiqué par très peu de monde. Mais ce n'est pas presque un art ancestral, c'est un art ancestral, c'est pour ça que c'est classé au patrimoine mondial De immatériel de l'UNESCO. l'UNESCO. Ok. Voilà. D'accord, Et d'accord. oui, nous sommes très peu, et moi personnellement, j'ai choisi ce type de chasse parce que je le trouve déjà de 1, on va dire, écologique. Il n'y a pas d'armes à feu, il n'y a rien. C'est vrai. De 2, il fonctionne sur la sélection naturelle, entre guillemets, Et c'est parce pas que vous c'est quand qui même des cachots choisissez. d'oiseaux, mais. Voilà, donc si maintenant le lapin est assez fort, ben, le lapin, il rentre dans son terrier et on garde un lapin qui devient Ça. malin et qui devient fort et vif. Contrairement au lapin faible, donc Oui. c'est une chasse très sélective naturellement, donc c'est pas l'humain qui intervient vraiment dedans. Vous guidez. Vous guidez et appuyez. Une fois que l'oiseau a appris, en fait, on est plus spectateur de ce mode de chasse, en fait. Mais vous ne mettez rien à mort ni rien. Il n'y a pas tout ce. En fait, moi, c'est bizarre, mais j'ai vraiment l'impression que vous ne chassez pas, en fait, plus ou moins, moi, mais. Ah, pourtant, on chasse parce que les lapins qui viennent et qui restent avec nous, restent avec nous. Oui, mais c'est pas vous, quoi. Donc, non, c'est Vous ne pas mettez pas à mort le lapin, par exemple. nous. Si. Ah, donc si, vous chassez. Vous tuez vous-même l'animal. C'est pas la Non, buse non. qui tue l'animal. Ça arrive assez même régulièrement, heureusement. Mais on est toujours là pour intervenir au plus vite. Pour achever l'animal sans qu'il ne souffre trop, c'est ça? C'est ça. D'accord. D'accord. Et donc, d'où vous êtes venue cette envie? Est-ce que c'est une passion pour les rapaces qui... Parce que c'est pas évident. Moi, je pense que ça doit être très réglementé d'avoir des rapaces déjà. Donc, c'est un Oui, prétexte c'est pour ça. avoir des contacts avec eux aussi. Ou est-ce que c'est la chasse qui vous intéressait parce que vous-même vous êtes Je me champêtre suis et... intéressé au... Excusez-moi. Je me suis intéressé au tout début à la fauconnerie. Donc, enfin, à la fauconnerie, à la volerie. Donc, je regardais les Oui. petites chouettes, les hiboux, les machins. C'était mignon, c'était comique. Ok, d'accord. Puis, pendant 2 ans, j'ai fait des spectacles de volerie avec une équipe d'amis qui tenait justement une ASBL de rapaces. Oui. Et puis je me suis dit, c'est ma vision personnelle. Hein. Je trouve pas ça éthique pour le rapace. Le rapace n'est pas conçu pour faire juste de la volerie. Le rapace est un prédateur. Le rapace a besoin de chasser, le rapace a besoin de tuer, a besoin d'assouvir ses trucs. L'instinct. Donc en fait, c'est plus, j'ai passé mon permis de chasse déjà plus pour remettre ces oiseaux dans leur contexte. Et ce ne sont pas des oiseaux capables d'adaptation. Il n'y a jamais eu de tri. Parce que moi, je vais vous donner un exemple très simple, mais qui n'a rien à voir avec un rapace. Hein. Je ne me prétends pas expert, je vous pose une question. Hein, d'accord? Mais moi, je vous parle de ce que je connais. Quand, par exemple, on me donne l'argument que les chiens de chasse ont besoin de chasser, moi, je réponds que c'est parce que l'homme continue à les sélectionner pour ça. Si on prend le cas, par exemple, des chiens de combat, aujourd'hui, on les sélectionne pour justement qu'il n'ait plus ce besoin de combattre. Et maintenant, la majorité des American Staff sont des chiens, entre de bonnes mains, adorables. Ce ne sont plus des chiens Oui, élevés pour ça. tout à fait, Et tout à les fait. chiens de salle, on pourrait Mais... faire pareil. On pourrait dire, bon, ok, c'est fini, maintenant, les 7 heures, on arrête de les faire chasser et on les sélectionne génétiquement pour garder ceux qui n'ont plus envie de chasser. Est-ce que c'est possible Quand... avec des rapaces ou est-ce qu'il n'y a jamais eu de travail de sélection humaine avec les rapaces? Non, il n'y a pas de... Non, non, le rapace est entièrement sauvage, donc le rapace a toujours cet instinct de tuer. Donc vous n'avez aucune relation, si ce n'est vous envers lui, c'est un peu comme posséder un reptile. Vous n'avez pas de relation avec lui? Il y a pas d'affection, il y a pas de caresse ou quoi que ce soit, non, et rien du tout, ça reste un prédateur, ça reste un animal sauvage. Donc il ne peut pas s'adapter à vous comme peut s'adapter à vous une oie, une poule ou un perroquet ou quoi. Le rapace, c'est vraiment... Il peut pas s'attacher. Non, ici ils ont l'intelligence en fait de se dire que tiens, si je les suis eux, donc lui, le chien, donc elle va suivre principalement le chien, ils savent que moi je vais l'aider à trouver la nourriture. D'accord, mais donc on est Donc vraiment le dans une couplet, relation d'animal vraiment sauvage, donc du type reptile. c'est Enfin, c'est pas ça. un reptile, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, bien sûr. Mais Non, c'est pas un reptile, non. c'est pas comme. Non, ça quand même, j'ai quand même le niveau. Ça va, ça je gère encore la différence. Mais je veux dire par là, bon, il y a certains reptiles qui s'attachent, mais bon, c'est une exception. Mais donc, c'est pas comme une poule, c'est pas comme un canard, c'est pas comme une oie.
C'est pas comme un perroquet, c'est pas comme un cacatuès, c'est pas comme un corbeau ou une pie, ça ne peut pas développer d'affection envers vous. Non, il y a de l'affection, il n'y en a pas. Il y a juste D'accord. de l'opportunisme de la part de l'oiseau. Alors, est-ce que ça rentre dans le fait que, par exemple, des études ont démontré, je ne les ai plus sous la main, mais ça ne concernait pas les buses, mais que, par exemple, c'est une étude d'ailleurs à propos du cinéma. Que sur les plateaux de tournage, je crois que c'est à propos d'Harry Potter, vous allez voir le lien tout de suite, que les hiboux et les chouettes font partie des oiseaux les plus, entre guillemets, hein, parce que tout dépend de ce qu'on met derrière ce mot, mais les plus un peu moins réceptifs ou les plus idiots. Et que du coup, ils n'ont pas vraiment d'instinct de s'attacher à des gens, etc., qui sont plus Oh régis non, pas justement du par tout. leur instinct. Le hibou, pas du tout. Mais alors le hibou, c'est vraiment pas du tout. Au plus vous laissez le hibou tranquille, au mieux il se sent. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'il disait, Voilà. c'est très difficile de les dresser ou Voilà. de les domestiquer parce que c'est des animaux Les qui... affêter, on appelle ça dans le jargon. On appelle Voilà. ça affêter un oiseau. D'accord. Parce que oui, C'est là pas dans le le mieux, c'est jargon le du cinéma, en l'occurrence, il disait dresser l'animal. Mais donc vous me dites affêter. mieux. Ouais. Voilà, donc un hibou, bah, si vous voulez vous instruire un peu là-dessus, je vous conseille Oui. le livre de Madame Anna Sanchez. Alors, Donc le Anna livre s'appelle Sanchez. L'esprit nocturne. Là, je vous conseille de le lire et vous allez vraiment comprendre comment fonctionne un hibou. D'accord. Donc cette étude n'était pas fondée. En gros, ils ne sont pas moins, entre guillemets, intelligents que les oiseaux domestiques comme les poules, etc. Ça reste juste ça. Ils sont plus C'est un primitifs, rapace. d'accord. Ok. Donc le rapace, il n'y a pas Mais alors, bête question, qu'est-ce qui empêche le rapace, de s'en prendre à votre chien? Alors ça vraiment c'est une bonne question. Qu'est-ce qui empêche le rapace de s'en prendre à mon chien? Bah, le rapace a mémorisé dans sa tête, surtout la buse de Harris qui est un oiseau grégaire, a mémorisé dans sa tête que le chien, c'est le chien qui allait sortir le gibier des endroits inaccessibles. D'accord. Donc, elle associe le chien, c'est un peu. Allez, comment expliquer comment la buse de Harris fonctionne la buse de Harris, ouais, bah, voilà, elle va créer un lien, donc elle va se dire, tiens, si lui fait ça, moi je dois pas faire ça. Faut savoir que tous les rapaces sont très, très, très fainéants. D'accord. Donc, si un rapace a mangé. Poids plein, donc il est bien gros, bien gras, il ne volera pas. C'est pas D'accord. possible. Donc c'est Et si vraiment, le on peut vraiment rapace. les comparer à la façon de, c'est vraiment des prédateurs primitifs comme un serpent. Si un serpent est gavé, on lui met 15 souris, il bougera pas parce qu'il est gavé. C'est la même chose. À Ok. l'effet inverse, parce que beaucoup de gens pensent qu'on affame nos oiseaux pour leur donner l'envie de chasser ou l'envie de voler, ça ne marche pas non plus parce que l'oiseau est trop faible, l'oiseau ne volera pas, l'oiseau sera complètement Non, inapte il à faut attraper un c'est gibier. des animaux qui n'ont pas besoin de manger à la fréquence qu'on s'imagine qu'on doit manger un animal domestique, quoi. Ils mangent tous les jours, quasiment tous les jours. Ouais. Bon, il y a des jours où on les fait jeûner dans la semaine pour qu'ils puissent entièrement vider leur jabot. D'accord. Donc, enfin, ça, c'est un peu conseillé avec les chiens aussi, on va D'accord. dire. Mais donc C'est ils un sont petit peu moins. vraiment donc ils sont quand même nourris tous les jours. Donc c'est pas comme les reptiles, une proie par semaine ou un truc comme ça. C'est Non, vraiment. non, 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 vous faites une fois par semaine, ils meurent. Hein. D'accord, Ça, c'est pas la donc solution. en fait, il faut pas les gaver, mais vous les nourrissez. En fait, vous les nourrissez selon leurs besoins, et eux chassent parce qu'ils ont encore plus faim que ce que vous les nourrissez. Mais ils ont les besoins nutritionnels, biologiques suffisants que pour être en bonne santé. Ah, mais oui, il y a ça. Il faut qu'ils aient les besoins nutritionnels riches et variés. Il faut que l'oiseau travaille et vole quasiment tous les jours pour garder sa musculature au top. D'accord. Il faut, bah, comme je vous ai dit, il faut pas qu'il soit trop maigre, il faut pas qu'il soit trop gros, il faut rester sur ce qu'on appelle le poids de chasse, donc le poids de vol. C'est D'accord. l'équilibre entre les deux pour qu'il soit bien. C'est comme si vous allez au restaurant et que vous mangez deux côtes à l'os d'un kilo, vous n'allez pas bien. C'est vrai. Moi, je suis pas le bon exemple parce Hein? que je mange pas de viande, mais Oui, je ne suis pas ce mince. que vous Donc, moi, voulez. je crois pas que je dois avoir la vie la plus saine du monde. Mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. En gros, Voilà. il faut Trop pas gros, ça marche pas. ça marche pas. Trop Et maigre, trop ça marche pas faible, non ça plus. marche pas non plus. Voilà. Voilà. Et comme vous êtes 8, ça doit être contraire. Voilà. Donc, en fait, c'est tellement élitiste, mais un peu dans le bon sens, qu'à mon avis, enfin, quoi que ça doit arriver, vu que vous me dites que votre buse à queue rousse a peut-être été maltraitée, mais en général, les rapaces sont bien traités, vu que ce sont essentiellement des passionnés, et que c'est pas comme un chien, n'importe qui ne peut pas avoir un rapace, je suppose.
C'est ça. Bah ici, bah, comme je vous dis, pour ma queue rousse, en fait, on pense plus. Soit il y a eu quelque chose avec l'ancien propriétaire, soit c'est une malformation congénitale. Donc, parce qu'il n'y a aucune fracture, donc j'ai toutes les radios de l'oiseau, il n'y a aucune fracture, il n'y a aucune lésion, il n'y a rien du tout. Il y a juste un fémur 1,5 cm plus grand que l'autre, ce qui fait que l'oiseau est un peu penché. Donc moi, alors je vais revenir sur un point avec lequel qu'on a abordé, on l'avait déjà abordé hier. Ce qui m'intéresse beaucoup dans votre chasse, c'est que elle est cruelle, mais elle est cruelle comme la nature fait que la chasse est cruelle, si je peux m'exprimer ainsi. Exactement. Ce qui n'est pas Exactement. le cas de la chasse à courre. Et j'ai appris aujourd'hui avec plusieurs chasseurs qu'en fait, quand on rabat les animaux, c'est plus ou moins la même chose que la chasse à courre au niveau de la cruauté qu'on a envers les gibiers. Donc, c'était une information assez. Voilà. Apparemment, la seule chasse qui ne fait pas souffrir l'animal, entre guillemets, parce qu'on les tue quand même, hein, donc on ne va pas être hypocrite, mais qui les fait le moins souffrir, c'est la chasse, pardon, à l'affût. Mais qui est très difficile, et c'est justement là qu'on arrivait quand même à convaincre aujourd'hui les chasseurs, leur dire oui, mais si vous me dites que vous faites de la chasse, vous débusquez, vous envoyez vos chiens débusquer parce que vous n'avez pas accès et qu'en gros vous rabattez et les tireurs sont à l'extérieur et doivent les tirer, est-ce que c'est pas plus efficace de réintroduire des prédateurs? Et là, à contre-cœur, ils étaient tous d'accord en fait qu'il vaut mieux réintroduire des loups que de les chasser comme ça. Donc c'était déjà un progrès venant de chasseurs, j'étais. Mais bon, c'était des chasseurs super, voilà, c'était pas non plus, voilà. Je suis d'accord avec vous, mais qui va assumer les accidents de la réintroduction du loup? Mais alors ça, on en a discuté, on peut en discuter, hein, ça, ce sera hors truc parce que on a déjà. Mais voilà, en gros, si vous voulez, il y a des arguments qui ne tiennent pas, parce que j'en ai longuement discuté avec ce chasseur voilà, qui lui aime la chasse, et l'argument des chasseurs en majorité, et chaque fois, ils sont bien obligés d'admettre que non. C'est que les accidents seraient envers le bétail. Des accidents envers le bétail. Oui, par exemple, les loups, s'il y a des incidents, c'est parce qu'ils rentrent dans une moutonnerie, ils se font deux, trois moutons ou des choses comme ça. Mais Ah mais oui, c'est ça, ou les animaux domestiques ou autres, voilà. oui, Voilà. effectivement. Maintenant, ce qu'on expliquait, par exemple, il me disait, ouais, mais si dans une forêt, vous mettez des loups, ben, il va y avoir des accidents envers les hommes. Et ça, c'est aussi probable que de nager en mer Méditerranée et de se faire attraper par un requin. On ne peut pas dire que ça n'arrive pas, mais ça n'arrive quasiment jamais, à moins que le loup, avant d'être réintroduit, ait été élevé par l'homme. Pareil pour l'ours. Moi, j'ai travaillé longtemps dans les Ou Carpates alors, et j'ai jamais croisé un ours ni un loup. Donc, il y a des endroits où peut-être qu'il faudrait repenser à la réintroduction de prédateurs. Et au lieu de mettre de l'argent, les grands propriétaires terriens qui mettent de l'argent pour élever des sangliers, parce que c'est illégal, mais ça se fait, mettraient de l'argent pour protéger justement les petits éleveurs de moutons, etc., des loups. Donc voilà, en fait, il y a de tout, hein, dans la chasse. C'est vraiment le cliché, mais il y a les bons et les mauvais. Question là-dessus, pourquoi ce Oui. serait les chasseurs qui devraient payer ça? Parce qu'en fait, des élevages de sangliers, on en a Ah non, prévu pas depuis plusieurs spécialement les mois. chasseurs, Quoi? hein. C'est pas spécialement les chasseurs. Non, les non, attendez, je m'exprime. Les élevages de sangliers, c'est les chasseurs qui les font, hein. Ça, Ah oui, mais c'est où? En illégal. Belgique, il n'y en a pas, hein. Si, si, c'est illégal, mais ça se fait. Ça, c'est confirmé par plusieurs des vétérinaires qu'on a eus. Donc, c'est illégal, c'est fait sur des terrains privés, ça se fait. Malheureusement, vous vous doutez bien que il faut pas. Voilà, en fait, il faut jamais être cliché dans aucun sens. Les chasseurs sont pas tous des salopards. Mais ce n'est pas tous des gens super sympas, angelots et qui veulent réguler la nature. Hein. Donc, et le chasseur lui-même expliquait qu'il sait que ça se fait parce que c'est des propriétaires terriens qui veulent montrer que sur leur terre, il y a beaucoup d'animaux, il y a moyen de faire de belles chasses, etc. Donc malheureusement, ça se fait. L'agrainage aujourd'hui, à part l'agrainage dissuasif, est interdit. Pourtant, ça se fait. Ça se continue de se faire par des gens qui. Allez, à la limite, c'est même plus des chasseurs, c'est presque des braconniers, mais ça se fait. Et c'est ces gens-là qui donnent mauvaise réputation aux chasseurs. Parce que, comprenez bien que le public qui dit, bon, la chasse de base, bof, bof, on lui dit, mais on fait ça pour réguler, et il voit image à l'appui par des. Bon, ça c'était en France, mais en France c'est autorisé, donc voilà. Image à l'appui des élevages ou de l'agrainage, il se dit, mais on se fiche un peu de notre tronche, parce que, voilà. Maintenant, ce sont des minorités, mais comme c'est des grosses fortunes, ben voilà. Mais ça se fait, et je vous promets que ça se fait, et c'est sourcé. Maintenant, c'est ce que me disait le dernier chasseur que j'ai eu.
Lui n'a jamais participé à ça et refuserait de participer à ça. Et c'est comme en discutant avec lui, il m'a dit oui, il y a des chasseurs qui traitent mal leurs chiens, on les expulse de notre groupe, on ne veut plus les voir, malheureusement, on les laisse chasser ailleurs. En fait, voilà, chaque chasseur a son éthique. Et il y a sûrement, comme chez les véganes, les végétariens ou ce que vous voulez, des néandertaliens, comme j'appelle ça, il y en a chez tout le monde, hein. Donc la chasse, malheureusement, n'y échappera pas non plus. Mais c'est pour ça que c'est important d'entendre ceux qui ne sont pas comme ça. Parce que c'est un peu comme les musulmans islamistes radicaux, les médias et tout ça mettent un peu trop l'accent sur ce qui ne va pas. Et c'est pour ça que la fauconnerie, enfin je ne sais pas si ça s'appelle à proprement parler la fauconnerie ou si cette chasse a un C'est nom. la fauconnerie. Il n'y a que et que seulement la chasse au vol. C'est Ça la s'appelle chasse au la vol. fauconnerie. Le nom, c'est chasse au vol. Ok. Et ben C'est la donc. fauconnerie. C'est pas chasse au vol, c'est Ah ben fauconnerie. donc, c'était bon, c'était fauconnerie. Ok. C'est fauconnerie. Alors, ok. Ben donc, la Ce que vous fauconnerie. voyez à Péridaïsa où il y a écrit fauconnerie, ce n'est pas de la fauconnerie, c'est de la volerie. Mais alors, et ça, justement, parce que ça, j'y pensais, moi, à ça. Donc, ça, pour vous, c'est pas éthique en soi. C'est pas mon truc du tout. D'accord, ça, c'est voilà. Mais la question que moi, je me demande, c'est comment ça se fait que ces oiseaux se. Parce que moi, j'y ai assisté à ça, quand même. Comment se fait-il que aucun rapace n'attaque personne? Comment se fait-il que, à un moment donné, ils font voler les vautours avec les que rien n'attaque rien? Est-ce que ces animaux sont drogués? Est-ce que ces animaux sont Ah, qu'est-ce qui... vous avez été au Puy du Fou? Non, à Paradisea? Ah, Péridaïsa, bah déjà, il faut savoir que le vautour, c'est un. J'en perds mes mots. Un charognard. Le vautour est un charognard, c'est bien ça. Donc, il n'attaquera pas. Vous allez voir qu'il n'a jamais deux types de buse en même temps. Vous allez voir que c'est la même chose avec certains hiboux. Les À un hiboux moment donné, n'attaquent pas les peut-être que ma gens. mémoire me joue des tours, mais moi je vous promets que j'ai l'impression qu'ils ont tout lâché en même temps. Ah non, non, il lâche pas tout en même temps. Non, ça je suis certain. C'est vrai? Je connais Parce que le spectacle à moi, Péridaïsa et c'est ils vont vrai? pas faire ça. Alors c'est super bien fait pour qu'on ait l'impression d'eux, ou c'est qu'il les rattrape un et qu'il relâche vite un autre ou quoi, mais à un moment donné, Ça, c'est possible. oui, alors ça doit être ça qui donne l'effet qu'on a l'impression qu'ils volent tous en même temps, mais c'est pour ça, moi c'était la question que je me posais, je me dis, mais comment on peut faire voler des buses avec des hiboux et des vautours sans qu'il y ait de problème en l'air? Non, c'est partout en fait. Et les oiseaux sont lancés par derrière. D'accord. Donc en fait, il y a la petite porte là, vous voyez par laquelle ils rentrent, et en fait derrière il y a un trou, donc c'est juste une butte. Et en fait, les volières sont là derrière, donc qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand il y a un oiseau qui rentre, ils font passer l'autre par au-dessus, et donc vous voyez l'oiseau qui sort par au-dessus. D'accord, mais Vous moi, voyez pas les gens qui la touchent seule l'oiseau. expérience que j'avais de ça, je me rappelle que donc à la fin, c'est un peu le clou du spectacle là-bas, tout le monde vole, bon, il les rattrape, etc. Mais par exemple, il y avait un grand-duc qui voulait pas bouger, il bougeait pas, et ça n'a pas empêché de continuer, donc ils ont quand même lâché d'autres oiseaux, et ça, j'en suis certain. C'est un hibou. C'est un hibou. Et le hibou, quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Ah oui, mais Vous qu'est-ce pouvez qui faire ce que vous empêche voulez. un autre oiseau d'aller s'en prendre à l'hibou? Parce que ces animaux ne sont pas habitués à manger correctement. Voilà. Donc ce sont pas ils sont on va dire ils sont gavés pour ne pas être Non, 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 dangereux. non, 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 non. Gavés, ils ne voleront pas non plus. D'accord. Gavés ou trop faibles, ils ne voleront pas non plus. Mais il faut savoir que normalement, un rapace ne vole pas 3 fois sur une journée. OK, Ça, donc en c'est un peu fait moi ce qui me posait problème dans la volerie. d'accord. Donc c'est un peu vraiment comparable aux reptiles, c'est un peu comme les pythons qu'on met autour des cous des gens, c'est qu'ils ont mangé suffisamment que pour être ouf et juste pouvoir faire ce qu'on leur demande de faire, quoi. Donc c'est pas comparable du tout, c'est pas l'idéal d'avoir des rapaces dans ces conditions en soi. C'est Pour un avis moi, non. personnel, Je connais des gens qui font de la hein. volerie. Je connais des gens qui font de la volerie et qui le font très très bien. Ah oui, mais non, Ça, mais là on c'est. parle des parcs zoologiques, je parle pas des gens qui font ça une Ouais, non, AFD, je parle moi. pas d'un parc zoologique. Je parle de quelqu'un D'accord, ok, qui on ne fait parle pas de ça la en même France. chose. Bah, et lui, il va majoritairement en France parce que c'est mieux réglementé. Et voilà. D'accord, et revenons-en à votre chasse. Donc, votre chasse, donc vous chassez le chevreuil. Non, on ne peut pas chasser le chevreuil avec une buse. Hein. Ah! C'est pas possible du tout. Alors, il n'y a pas un autre grand animal, c'est peut-être moi qui me gourre. Attends, je vais reprendre mes notes. Parce que moi, justement, le chasseur d'avant, quand je lui disais justement, je parlais justement de la fauconnerie, il me disait, oui, mais ça, voilà. Enfin bref, on a débattu là-dessus. Il m'a dit, oui, mais quand l'oiseau s'en prend, et je pensais que c'était chevreuil, à un grand animal, il souffre beaucoup plus que quand c'est par un chasseur normal. Est-ce que ça vous parle ou ça vous Oula, parle pas du tout? franchement, moi je connais personne qui pratique la chasse au chevreuil, donc déjà ça se pratique avec des aigles royaux. D'accord.
déjà de Peut-être 1, que la dans un personne coin qui déjà. parlait de ça n'y connaissait rien. Et comme j'y connais pas plus, voilà, c'est pour ça que je vous ai au Donc, téléphone. en Belgique, je n'en connais pas du tout. Je sais qu'en Mongolie, ils chassent le loup avec des aigles. Ça, depuis des millénaires. Je ne connais personne qui chasse le chevreuil au vol en Belgique. Mais donc vous, en tant que Voilà. chasseur, vous vous occupez juste de maintenir une population saine de lapins, en fait. De lapins, ou alors si maintenant on trouve du terrain avec du faisan sauvage, ce qui devient malheureusement très rare, on peut chasser le faisan, mais Mais voilà, c'est... moi si c'est pour aller attraper un faisan qui reste par terre, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. D'accord, donc en fait c'est vraiment d'utilité... En fait, c'est une des seules chasses qui est vraiment d'utilité dans toutes celles qu'à part la chasse faite par les gardes forestiers, mais... C'est utile parce qu'on emploie même ces oiseaux de chasse, on les emploie même pour enlever les pigeons des aéroports, des fermes et tout ça. Il y a énormément d'utilités possibles avec la chasse au vol. Mais c'est bizarre parce que, en fait, vous, si je comprends bien, vous finissez, vous achevez un animal. Si le rapace ne l'a pas achevé, ou si le rapace, on va dire, s'en donne trop à cœur joie sur lui et il souffre. Non, non, le rapace ne s'en donne pas à cœur joie. Si Non, maintenant le rapace a il ne commence jamais à le non, manger vivant, rien. non. Il pourrait, mais là c'est le rôle du fauconnier de suivre son oiseau. Si Oui, vous mais donc suivez pas votre oiseau, c'est ce c'est que que vous j'essayais êtes de vous dire. pas. Donc vous achevez l'animal avant que ce genre de choses passe. Ah oui, ça c'est obligatoire. Voilà, mais donc oui, c'est ça que je voulais dire. Hein. Quand je dis s'en donner à cœur joie, c'était commencer à manger sa proie. C'est ça que je voulais Ouais, dire. non. Donc vous, votre Non, rôle, c'est. S'il c'est ça. vous plaît? Votre rôle à vous, c'est ça. C'est de faire en sorte que, ok, tu as attrapé l'oiseau. Tu as attrapé l'oiseau. Tu as attrapé le lapin, pardon. Hein? Et vous achevez l'animal pour qu'il ne souffre pas plus que nécessaire. C'est ça, mais enfin, ça me paraît éthique. Ah ben ça l'est. Mais donc, c'est pour bien faire la différence. Que ce n'est pas comme une chasse où vous allez épuiser un animal en lui faisant courir derrière des chiens, Oh, vous sortir savez, et l'égorger au il n'a pas le poignard. temps. Voilà. Mais donc oui, mais c'est important parce que je vous garantis que votre chasse, déjà, je suis quasiment sûr que quasiment personne ne la connaît. Et donc c'est chouette que ça se connaisse. Et de toutes les chasses que moi, desquelles j'ai pu, j'en ai expérimenté certaines malheureusement, mais ça jamais. Ça m'a l'air d'être la seule qui m'a l'air vraiment d'être premièrement utile, Oui. secondement réellement régulatrice et parce que l'argument que les chasseurs donnent chaque fois que c'est la nature et que l'homme est un prédateur et que etc., tout ça n'est pas vrai. Par contre, que votre C'est pas oiseau faux non plus, hein. si Bon, l'homme non alors là il y c'est a besoin pas des prédateurs. L'homme n'est pas un prédateur. Si vous êtes tout nu à côté d'une vache, je vous mets au défi de la manger. Mais Non, non, c'est pas le cas. J'aime pas trop les élevages, moi, donc non, mais c'est pas ça. C'est voilà. pour dire que l'homme est un grand primate et l'homme n'est pas un prédateur. Il peut digérer de la viande. C'est plus un charognard. D'ailleurs, vous êtes un charognard. Vous n'êtes pas un prédateur. Moi aussi. Quand on achète un Ah steak, on oui, mange du bon. cadavre. On n'est pas prédateur. Si maintenant un Ouais, chasseur, on lui enlève son fusil, on le met à côté d'un cerf. Il se fait démonter. Par contre, si vous prenez une meute de chiens et que vous le mettez avec des cerfs, là, je crois que le chien va le manger. Donc ça, ce sont des prédateurs. Nous, non. Mais la buse, en l'occurrence, oui. ah oui, c'est un pur prédateur, Donc là, c'est vraiment il une y a pas chasse plus. qui recrée, en fait, vous ne chassez... Enfin, je suis contre la chasse à la base, moi. Mais bon, en gros, c'est parce que moi, j'ai même pas l'impression que vous chassez. J'ai l'impression que vous recréez un cercle naturel, en fait. Mais vraiment. C'est ça. Un peu Pas... ça, oui. Pas avec un prétexte, pas de dire ah oui mais on a 15-20 chiens derrière un cerf qui est en train de se noyer parce qu'il est épuisé, on vient l'égorger. Ça m'a l'air moins éthique que la buse qui attrape un lapin faible parce qu'il n'a pas pu lui échapper. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est une Mais chasse qui d'ailleurs, gagnerait à être connue. on voit très bien la différence en début et en fin de saison. Vous voyez que les lapins commencent vraiment à comprendre l'arrivée de l'oiseau, et les lapins les plus malins, ils sont déjà partis, hein. Mais c'est ça aussi qu'on disait avec l'autre chasseur, c'est qu'il me disait, je ne sais plus dans quel endroit, mais il m'a dit, oui, mais le problème, et c'est là qu'on voit un peu l'ambiguïté un peu parfois des chasseurs, c'est que si on mettrait un loup ou une meute de loups dans ces grandes forêts, le Ouais. gibier, la majorité du gibier nuisible s'en irait parce qu'il saurait qu'il y a un prédateur. Et moi, je lui ai dit, mais alors c'est bien, vu que vous, à la base, vous faites ça pour qu'il n'y ait plus ces nuisibles. Et là, il Ah, était... vous, c'est ça, c'est ça. Et là, il m'a dit, ah oui, Vous. mais alors, voilà. Donc, il ne savait pas quoi trop répondre non plus. Donc,
Moi, de maintenant, si je prends position, c'est un avis personnel. Au point de vue quand on appelle, si on peut parler de noblesse de la chasse, la fauconnerie m'a l'air d'être la seule qui rentre dans cette caractéristique-là et qui ne m'a pas l'air d'être une tradition barbare. Donc, c'est pour ça que j'étais très intéressé par ça. Pourquoi pensez-vous que la fauconnerie était réservée uniquement aux rois et aux nobles à l'époque? Non, ça, mais c'est Pourquoi pas il un y avait pas argument, tout c'est ça? pas un argument non plus parce que la chasse à courre était réservée aux royaux nobles aussi. Et ça n'en restait Ah pas moins oui. barbare. Mais. À l'époque, un civil ne pouvait pas posséder un rapace, c'était comme ça. Ah, ben ça l'est toujours, hein. Je crois. Enfin, vous avez un permis, je suppose, et Oui, costaud. obligatoire. Oui, hein, parce que moi, si je vais demain chercher un rapace, je crois qu'on m'envoie péter allègrement, hein, et heureusement d'ailleurs. Bien avant, déjà, c'est pas faux. Oui, c'est ça. Donc, c'est déjà des spécialistes. Vous n'êtes pas un simple civil, vous êtes un fauconnier. Donc, C'est ça. voilà. Mais, donc, non, c'est pour ça, il faut toujours faire attention. Mais ça, c'est moi, c'est mon avis personnel. Quand on défend quelque chose de bien ou pas bien, il y a des gens qui pourraient dire aussi, on n'a pas. Enfin, en fait, même pas. En fait, parce que moi, je pourrais vous dire tous les arguments que moi j'ai anti-chasse, parce que je suis pas vraiment pro-chasse en général, moi. Hein. Moi, j'avance pas masqué. Je ne peux vous sortir aucun argument anti-chasse. Parce que je ne peux pas vous dire, oui, mais en 12, vous relâchez X mille lapins. Parce que vous ne le faites pas. Parce que vous êtes 8, Franchement, vous n'avez pas une si vous structure. me trouvez X 1000 lapins, bah franchement, vous êtes champion. Ah, si, hein, l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, indique donc qu'il y a plus ou moins 40 000 lièvres qui proviennent d'élevage et 100 000 lapins de garenne. Voilà. Mais ça, je suppose que ça vous Comme bien concerne personne pas. ne peut poser, parce qu'en Belgique, c'est très 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 dur de trouver un territoire où il y a encore beaucoup de lapins. Hein. Mais ça doit être pour ça qu'ils sont élevés. C'est pour ça que nous, en tant que fauconniers, sur les terrains qu'on a, parce que nous, on peut chasser en dessous de 25 hectares, contrairement aux chasseurs à tir, Oui. ce qui nous fait bien plaisir dans un sens, ça nous protège un peu le territoire. C'est pour ça qu'on essaie justement de fortifier les populations, et C'est ça, c'est dans ça. pas mal d'endroits, ça fonctionne très très bien. Mais donc, c'est ce que je vous dis. On ne peut pas à vous reprocher l'hypocrisie de certains, et je dis bien certains chasseurs, qui prétendent réguler, mais qui en réalité eux-mêmes envoient. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est un argument qu'un anti-chasse ne peut pas vous donner. Par contre, l'argument de l'UNESCO ne vaut rien, parce que l'UNESCO, c'est pas parce que c'est quelque chose d'ancestral que ça vaut la peine d'être fait, mais c'est vrai que c'est reconnu par l'UNESCO. Et la noblesse, ça marche pas non plus parce que la chasse à courre, c'était fait aussi par des nobles et ça n'en reste pas moins quelque chose qui n'est pas très éthique. Mais là, c'est en fait, c'est bêtement que c'est la première chasse que moi j'entends qui me semble vraiment naturelle, en fait. C'est un peu pour ça que je me suis dirigé vraiment vers cette chasse-là, en fait. Je Tout pourrais juste vous simplement. reprocher en vous disant oui, mais bon, est-ce qu'il vaudrait pas mieux réintroduire des rapaces au lieu de faire ça? Mais bon, vous êtes 8, c'est pas mal. Oui, mais le rapace ici en Belgique, la buse variable, donc on a la buse variable qui est un des plus grands rapaces ici, n'est pas apte à attraper un lapin et le maintenir suffisamment. C'est ça. Et il n'y a jamais Donc eu c'est en. sur le territoire d'oiseaux de proie capables de faire ça. Sur le territoire, si, il y en a, hein, il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y a un aigle qui est passé par ici, il est remonté de France jusqu'ici. Oui, mais Et c'est il y a pas une un rapace animal avion. endémique à la Belgique, c'est des animaux de passage, quoi. Il y a un rapace belge qui est capable de tuer un lapin, voire même du renard. Ah oui? J'allais oublier, bien sûr, le hibou grand-duc. Ah bah oui. Mais oui, mais oui. Mais est-ce que. Alors, ça c'est la vie, même si bon, vous n'êtes pas une menace spécialement pour la biodiversité. Mais pourquoi, ça c'est la vie qui m'intéresse de chaque chasseur. Pourquoi préférer ça à se dire tiens, ouais, ça ne tient pas parce que le grand-duc, je pense pas qu'il soit menacé spécialement. Donc en gros, malgré les grands-ducs, on a besoin de chasseurs en fait. Le grand-duc commence seulement à revenir, donc on a la chance d'en avoir ici près, pas par chez moi, on a la chance d'en avoir trois qui sont recensés par l'Indagora. Donc ils sont quand même menacés. Attendez, alors je confonds avec un autre. Oui, moi les rapaces. Donc, dites-moi. Donc le grand-duc. Bah alors la question reste valable. Est-ce que c'est pas mieux de réintroduire des grands-ducs plutôt que de chasser? J'allais mettre où le grand-duc? Le grand-duc est très créatif, donc il faut déjà qu'il ait un territoire suffisamment calme. Parce qu'il D'accord. n'aime pas déjà les lumières des villes et tout, ça le dérange. Les bruits, D'accord. ça le dérange, parce que c'est un oiseau D'accord. qui chasse que à l'ouïe, le hibou, D'accord. comme tous les nocturnes. Donc le bruit des voitures, des gens et tout ça, ça lui perturbe son ouïe, donc il ne sait pas repérer son gibier. D'accord, donc en fait, ce sont des animaux qu'on ne peut plus réintroduire parce que la civilisation humaine empêche de toute façon qu'ils sachent se nourrir correctement, en gros.
Il y a ça, et je vais vous dire un autre truc, il n'y a rien à introduire, faut rien réintroduire dans la nature, faut protéger la nature pour qu'elle procrée d'elle-même, c'est tout. Donc vous n'êtes pas C'est pour tout. le fait de réintroduire des loups non plus. Rien. Ben non, le loup il revient tout seul, pourquoi on le réintroduirait? Il suffit juste de lui faire la place et de garder le calme pour qu'il revienne de lui-même, c'est tout. D'accord, et de la réintroduction d'ours et tout ça non plus alors. Ça sert à rien. S'ils doivent revenir, ils reviendront d'eux-mêmes. Comme on a vu il y a récemment, je crois qu'ils ont trouvé un lynx en Belgique. Oui, mais on les a. Oui, mais alors par exemple dans le cas des loups en France, maintenant on les abat. Faut voir ce qui se passe. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas le truc. Mais si maintenant il y a un loup qui crée des accidents ou quoi dans un village et qui se répète tout le temps au même endroit sur le même truc, il y a un moment, il Oh va non, falloir faire c'est juste quelque parce que de chose. temps en temps il prélève un mouton. Ah oui, mais moi je vais vous dire, il vient ici, il prélève un de mes moutons, je vais pas être content non plus. Non, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre C'est le jeu, mais Lucette. bon, je peux vous dire qu'à son prochain retour, il va avoir une grosse châtaigne. Hein. Mais Il est en c'est braquage ça le électrique tout le temps et il va problème. s'en prendre une belle. Ah oui, mais voilà, mais ça c'est ce que j'ai dit aux gens aussi. Mais c'est ça le truc en fait. C'est que pourquoi le gouvernement qui donne parfois des grosses primes à l'éradication de certaines espèces ne donne pas ces primes aux gens pour se protéger des prédateurs. En fait, on est arrivé dans une société qui se veut aseptisée et ce que nous ne trouvons pas normal, mais ça c'est mon opinion, je vais me parler en mon nom, ce que moi je trouve pas normal, c'est qu'on estime qu'il ne doit plus y avoir de prédateurs sur le territoire, parce que quand on me donne comme exemple, oui, mais vous imaginez, est-ce que vous seriez tranquille, vous, en sachant que vous avez une meute de 10 loups dans le bois de l'eau? Oui, je m'en foutrais, parce que je sais que le loup va pas venir après moi. Oui, ce n'est pas des arguments qui tiennent. Et moi, je me baladais tous les jours dans les Carpates pendant X temps. Ça grouille de loups et d'ours, et moi, j'en ai jamais vu un de ma vie. Mais jamais. Ce ne sont pas des prédateurs de l'homme. À moins qu'ils aient été élevés. Et c'est d'ailleurs ça, l'histoire de l'élevage des sangliers. C'est parce que le vétérinaire me disait qu'il y avait souvent sa patientèle qui était blessée par des sangliers, outre le fait général de la chasse, parce qu'il y a quand même pas mal de sangliers élevés par l'homme qui n'ont plus peur de l'homme, et que donc forcément, au lieu de fuir, ils chargent directement et qu'il y a pas mal d'incidents. Mais bon, tout ça, c'est la chasse plus. Pas traditionnelle, parce que je crois que la plus traditionnelle, si on parle dans le sens tradition, ça doit être la vôtre, mais la plus, on va dire, mainstream. Mais donc, c'est très Vous entendez intéressant. quoi par mainstream? Mainstream, eh ben, qu'est-ce qui se pratique le plus? La fauconnerie, c'est pas ce qui se fait le plus dans le terme de chasse. Ah non, 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 pas du tout, pas Mainstream, du c'est ce tout. qui se pratique le plus. Donc, je suppose Ok. qu'on pratique plus la chasse en rabattage que la fauconnerie. Oui, c'est l'abattu, on appelle ça, la chasse à l'abattu. Voilà, de la chasse à l'abattu, exactement. J'ai dit, moi, en Belgique, je ne vois au grand gibier, je ne vois que ça, la chasse en battue et la chasse à l'affût, je vois pas d'autres types de chasse au grand gibier. Ah non, 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 parce que c'est légal. Mais quand les chasseurs m'expliquent eux-mêmes que c'est de l'hypocrisie parce que la chasse à l'abattu est aussi cruelle pour l'animal que la chasse à court, la question serait, ne faudrait-il pas interdire cette Pas. chasse aussi? D'après ce que moi j'ai vu, c'est que enfin, c'est surtout géré pas pour le cervidé. J'ai une fois vu au cervidé, bon, il n'y a aucun animal qui a été tiré parce qu'aucun ne correspondait. Ici, il y avait un guerre du DNF qui demandait à trouver un animal et tous les autres ne pouvaient pas parce que donc il y avait juste un animal qui devait être prélevé, c'était celui-là. Pour je ne sais pas, je connais pas leur raison parce que je connais pas trop bien le grand gibier. Et c'est comme ça. Moi, je trouve que le cervidé est très très bien géré par le DNF. Et je pense qu'il faudrait étendre cela aux chevreuils et aux sangliers. Est-ce que pour nous profanes, vous pouvez me donner la signification de l'acronyme DNF? DNF, c'est Département Nature et Forêt. D'accord. Ok. Très bien. Et donc, est-ce que quand on parle de la chasse et qu'on critique la chasse, vous vous sentez concerné ou pas? Oui, je me sens concerné parce que malgré tout, je suis quand même un chasseur. Mais vous vous rendez Quoique bien pas. compte que ce qu'on reproche, c'est pas ce que vous faites? Ou pas? Non, je sais bien, mais bon, quand on voit écrit, pardonnez-moi les expressions, je vais vous lire des trucs, c'est tous les chasseurs feraient bien de mourir, on leur mettrait bien une balle dans la tête, ou des trucs comme ça. Alors que ces gens ne comprennent même pas. J'ai un peu discuté là sur votre poste, j'ai même convaincu une qui n'arrêtait pas d'insulter tout le monde, j'ai même réussi à la convaincre. Elle a dit, ah d'accord, alors je pense que votre type de chasse est bien. Mais Voilà, moi je oui, crois que c'est pour ça que c'est ce pas quelque poste était chose. intéressant. En 24 heures, sur un groupe où on a voilà, c'était juste pour démontrer que l'opinion publique très rapidement se mobilise contre, sans se poser plus de questions que ça. Ok,
Mais alors, moi, si vous voulez, je peux aller poster, je peux aller relayer votre poste dans multiples groupes de chasse Oui, existants mais et ce sont des la groupes de tendance va vite se chasse. renverser. Mais ce sont des groupes de chasse. Là, ce sont des groupes de Ah tout oui. le monde. Et vous êtes chasseur. Ah oui. Et vous êtes sur ce groupe. Un non-chasseur ne Ah sera oui. pas sur un groupe de chasse. Donc là, ce serait par définition pas du tout objectif, vu que évidemment les chasseurs vont pas dire non. Là, il y a des chasseurs, il y a des non-chasseurs, et les chasseurs, voilà. C'est l'opinion est représentée par tout le monde. Évidemment, si on demande dans un groupe pro-corrida, est-ce que vous trouvez que la corrida est bien? Ben, s'il y en a un qui dit non, c'est qu'il doit être un peu à Ouais. dédoublement de personnalité. Mais donc là, l'opinion publique est contre la chasse de manière générale. Et c'est pour ça que même des gens comme Willy Schran font des messages aux chasseurs en disant arrêtez de mettre sur les groupes, les réseaux sociaux des photos de vos tableaux de chasse, etc. Parce que, Ils ont voilà. raison. Ils ont raison de le faire. Ah bah ils ont raison de pas le faire justement. Ah oui, Lui, non. pour ça là-dessus, il a raison. Mais donc voilà. Mais donc c'est pour. Mais si on y demande ça, c'est parce que l'opinion est majoritairement contre. Ah bah Et c'est normal, les trois quarts des tableaux que vous voyez, c'est des tableaux qui ont été faits en Pologne ou alors en parc fermé. Donc vous voulez quoi? ah oui, non, mais bien sûr. Le problème, c'est Vous que les démontez le problème, c'est que comment vous êtes une minorité. Non, le problème, pardon, c'est que vous êtes une majorité, excusez-moi, qui souffre d'une minorité de comportements qui sont mis en valeur. C'est ça? C'est toujours les mêmes images qui circulent. D'ailleurs, c'est ce que disait la vétérinaire. L'image du cerf qui se perd dans un village et que les gens disent laissez-le, mais laissez-le, mais laissez-le. Elle me dit, moi, ça fait 5 ans que je vois ce truc tourner. Donc, voilà. Ce sont des minorités de cas, mais il est important de dénoncer ces cas, parce que c'est ces cas-là qui vous salissent tous. Donc, Ça. il faut quand même faire quelque chose à ce sujet-là. Et vos oiseaux, comment ça se... En fait, parce que là, les bus, c'est très loin, mais alors très loin d'être mon domaine. Quelle est la durée de vie, justement, de ces oiseaux-là? Bus de riz, faut compter, allez, je vais vous donner une moyenne de 25 ans. D'accord. Et là, c'est la queue rousse? Même chose. Pareil. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sont... Déjà, voilà, ben je vais vous poser une question super bête, hein. Mais vous considérez ça comme un animal de compagnie ou pas du tout? C'est pas un animal de compagnie, c'est... Comment... C'est vrai que c'est difficile à Est-ce expliquer, qu'elles c'est ont un assez nom, vrai. vos buses? Ouais, mais buse à moi ou un nom, oui. Donc il y a déjà, vous, de votre part, un affect pour elles. Ah oui, certainement, oui, Oui, voilà. c'est... Mais c'est ça la question. Est-ce que vous vous dites, C'est ça, allez, oui, je... Patrick, Gérard, venez, on y va, ou est-ce que vous rentrez, vous le prenez et vous y allez, quoi. C'est ça le sens de la question. Hop, je vais vous dire, allez rentrer dans sa volière et lui dire, allez, viens, on y va. Ça sert strictement à rien. Donc, bah oui, ça m'arrive souvent d'appeler mon oiseau par son prénom, oui, on va dire ça comme ça. Et il vient? Ah oui, il vient. Mais Alors donc que, il y a quand retenez-le. même, il est quand même capable d'avoir de l'attachement. Oui, mais allez, excusez-moi, je vais aller la promener avec au bois, ben je vais tendre le bras, je vais dire pipi, elle va venir aussi, quoi. D'accord, donc c'est plus un Donc, réflexe presque pavlovien que la reconnaissance de son nom. voilà, c'est ça. D'accord, Bon, ok. ils ont un nom par éthique. Enfin, je sais même pas pourquoi on leur donne un nom en fait. Non, parce que vous y êtes attaché, je suppose que vous n'avez pas envie qu'il leur arrive des problèmes à vos buses. Ah oui, non, de toute façon, elles vont chez le vétérinaire une à deux fois par an. Eh ben, c'est la raison qui font qu'elles ont un nom, c'est que vous les aimez bien. C'est pas grave si elles vous le rendent pas spécialement. Dites-moi, mais qu'est-ce que vous allez faire de vos deux buses quand elles ne pourront plus chasser? Bah, j'ai déjà l'autre qui chasse quasiment plus parce qu'il a un problème à sa patte, bah, il est là. Hein. Mais comment, oui, non, mais je dis pas que vous allez les manger, mais comment vous allez gérer ça? Parce que je suppose qu'il faut quand même une installation importante. Buse de Harris à un ami, sa buse, elle a 27 ans et elle vole toujours, elle chasse toujours. Donc voilà. D'accord, donc en fait, il n'y a pas d'âge. Tant qu'elle est en bonne santé et qu'elle peut le faire, il n'y a pas C'est d'âge de ça, tant qu'elle est en retraite. bonne condition physique, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Voilà. Ok, et elles ne sont jamais blessées par la chasse vu qu'elles ne chassent que des lapins et que ce serait un peu... ça devrait être un sacré lapin, quoi. Oui, on peut chasser le lièvre aussi, hein, mais bon, c'est pas très intéressant de chasser un lièvre. D'accord, pour quelle raison? C'est pas mon truc, tout simplement. Mais aucune raison, juste c'est pas votre truc ou c'est parce que il y en a pas Non, assez pour les réguler ou que... il y en a, mais déjà, faut être membre d'un conseil cynégétique parce que les lièvres doivent être comptés. Voilà, autant D'accord. doivent être prélevés, autant doivent rester. Donc en fait, vraiment, le Mais. lapin, c'est freestyle. C'est vous y allez, vous avez le droit de prélever ce que vous voulez.
et les plus forts survivent. On a le droit de prélever tout ce qu'on veut. Oui, on pourrait, mais ce serait totalement ridicule. Oui, mais en fait, est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû au fait à votre faible nombre, que vous pouvez vous y donner à fond? C'est pas 8 que vous allez décimer une population de lapins de toute façon. Ça doit être ça qui joue, non? Franchement, si on le voulait, on pourrait. Mais Oui? c'est pas le but. Franchement, je veux dire, si on prend un lapin ou deux lapins par semaine, Et c'est c'est pas des beaucoup. lapins, de quel c'est une espèce en particulier ou c'est les lapins communs? C'est le lapin sauvage. Le lapin Lapin de sauvage. garenne, quoi. Le lapin de garenne. Est-ce que vous chassez aussi pour vous dire que vous préférez savoir que le lapin a été chassé à la réglo que de manger de la viande d'un porc qui souffre en batterie depuis toujours, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça? J'ai vu un élevage de cochons, j'ai vu des cochons être chargés dans le camion, j'ai vu des cochons faire des crises cardiaques en sortant de leur box dès qu'ils ont vu la lumière du soleil. Donc Donc voilà. ça a à voir avec ça. Ça a un peu à voir avec ça aussi. Ouais. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment... Oui, en fait, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes... Pour moi, vous n'êtes pas un chasseur, mais sans vous enfoncer, hein. Sans offense du tout. Pour moi, vous êtes Non, je me un... sens. Je me sens pas offensé du Pour moi, tout. Fauconnier, c'est pas chasseur, en fait. Mais c'est vraiment particulier. C'est comme... Oui, je sais pas vous expliquer, mais je veux dire, votre démarche a l'air saine, la manière, vous laissez vos animaux faire leur travail, votre animal est guidé par un autre animal, et vous n'intervenez que pour éviter qu'il y ait une souffrance qui n'est pas nécessaire. Donc, à partir de là, pour moi, vous Mais vous rentrez pas mentez dans les aussi. cases de la chasse, mais donc, tant mieux, tant mieux. Donc, c'est une chasse, la fauconnerie, ben, c'est... Puis ça doit être très beau en plus. Et Bah, on est donc. spectateur du vol de l'oiseau, hein, ça c'est sûr. Et tiens, une question maintenant qui n'aura plus rien à voir, mais c'est possible qu'avec ce type de rapace, ou c'est possible avec d'autres prédateurs volants? Mais ça, c'est vraiment de Prédateur volant. question, parce que c'est pour ma curiosité. Bah, il y a des aigliers, il y a ceux qui travaillent avec les bus, donc les bus, les autours, il y a aussi les éperviers qui sont utilisés, mais très très peu en Europe, enfin en Belgique du moins, très très peu en Belgique, pardon. Il y a la chasse de haut vol avec le faucon. Et tiens, et les faucons qu'on voit à Bruxelles, c'est... Enfin, je vais peut-être dire une bêtise, il me semble que c'est le faucon pèlerin, mais je vais peut-être dire une bêtise. C'est du pèlerin, oui. Eux, non? Oui, bien sûr que oui, bien sûr. Non, donc C'est même oui. les meilleurs. C'est vrai? Et eux En vol, sont... ce sont les meilleurs, oui. Et eux chasseraient aussi de lapins? Parce que c'est des Non, petits... jamais, Parce qu'ils jamais, sont très jamais, petits, jamais, jamais. ces faucons. Ces faucons ne tuent que ce qu'il y a en vol, parce que leur technique de D'accord. chasse ne leur permet pas d'attraper une proie au sol, sinon ils se tueraient. D'accord. Donc en fait, ça ce serait... On pourrait les utiliser pour la fauconnerie, mais pour la fauconnerie d'oiseaux alors? Pour la chasse au vol, donc tout ce qui est pigeon, C'est ça. corneille, enfin on l'emploie, les effarouchements de corneille, on ne chasse pas la corneille, on l'emploie pour enlever les corneilles des champs, pour faire pousser le petit pois, C'est ça, donc c'est ou quand que vous me sais-je. parliez qu'on utilisait la fauconnerie quand il y avait une surpopulation de pigeons, etc., etc., c'est peut-être à ces faucons-là qu'on fait appel, en fait. Non, par exemple, si maintenant il y a des pigeons dans une ferme, moi je peux aller avec ma buse. Donc allez, on va dire il y a 100 pigeons, je vais peut-être en attraper 3 ou 4 si ma buse a de la chance de les attraper. Les autres vont se dire, faut venir régulièrement, là. Faut pas faire ça une Une seule journée, ça marche fois. pas. Faut venir régulièrement, là les pigeons vont se dire, tiens, il y a un prédateur, on déménage. Ici, je vois rien de malsain, en fait. Et moi qui suis pro-animaliste, bah, même moi qui, voilà, je ne vois rien, en fait, je vois rien à vous redire. Et en fait, vous en foutez certainement de moi, hein, mais moi, ça me choque parce qu'en général, j'ai toujours quelque chose à dire. Oui, mais si on fait ça, on ne devrait pas faire ça. Et en fait, ça me semble super éthique et je pense que ça doit expliquer pourquoi ça doit être une. Je pense, enfin, c'est la seule chasse reconnue par l'UNESCO ou pas? C'est pas quelque chose de facile du tout. Non, mais c'est important, ce serait bien Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas réguler grand-chose comme espèce animale avec un faucon, parce que vous n'allez pas aller sur des cerfs ou des sangliers, mais c'est vrai que c'est un type de chasse qui vaudrait la peine d'être mis en lumière pour que justement, quand on parle de chasseurs, on ne vous inclue peut-être pas avec les... Bon, peut-être que vous l'aimez bien, mais avec les gens comme Willy Schran qui ne donnent pas une bonne image de cette pratique-là. Willy Schran, bon, c'est en France, hein, donc avec tous leurs accidents qu'ils ont, c'est pas notre cas non plus en Belgique.
C'est vrai. Oui, mais nous, en fait, les fauconniers, on aime bien rester assez discrets, en fait. C'est ça. Mais vous vous sentez quand même. C'est le paradoxe. Quand on s'en prend aux chasseurs, vous le prenez pour vous aussi. C'est Et ça. est-ce que vous pensez pas Et en qu'on fait, devrait changer votre dénomination? notre dénomination. Est-ce que vous pensez que vous devez vous appeler chasseur? Fauconnier, c'est bien. Oui, moi je pense aussi que vous. En fait, je pense que vous n'avez. Parce que vous. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que vous chassez. Moi, je suis désolé. Enfin, je veux pas offenser, mais moi, j'ai l'impression que vous aidez un oiseau à faire son travail, quoi. Mais voilà. J'ai pas l'impression que vous chassez. Un peu ça. Vous chassez presque autant qu'un vétérinaire qui est obligé d'euthanasier un chien qui souffre, en fait. C'est ça. D'accord. Donc, en fait, la fauconnerie serait quand même un art fort à part des deux chasses qui se pratiquent sur le territoire belge. C'est vraiment un art à part entière. Et il faut connaître la fauconnerie. Moi, j'en ai appris un petit peu, mais je suis évidemment loin et à des milliers de savoir. Je ne vais jamais, moi, donner un avis sur la fauconnerie, mais. De ce que vous avez eu la gentillesse de bien vouloir m'apprendre aujourd'hui, moi je ne vous mettrai pas dans la case des chasseurs. Et je pense que quand les gens s'en prennent aux chasseurs, pour X ou Y raison, moi à votre place, je ne me sentirais pas concerné en fait. Ouais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, il y a peut-être une solidarité, hein. Mais c'est. Et les bus, ça s'obtient comment? Vous obtenez ça où? Il y a un marché? Un salon un salon du rapace, quelque chose. Non, non, les rapaces sont totalement interdits à la vente. Ce sont des espèces Mais protégées. vous les obtenez. Comment vous les obtenez? Avant de devenir fauconnier, il faut déjà apprendre la théorie de la fauconnerie. Ensuite, il faut suivre un fauconnier pendant 2 ans qui ira vers un éleveur de buses. D'accord. Donc ça n'existe pas des regroupements de passionnés de fauconnerie, c'est vraiment quelque chose de très sélectif, il faut se former, il faut faire, on Ah va appeler ça ouais. un stage, avoir un certificat de capacité, je suppose aussi, et Non, pas en Belgique, en non? France, oui. En D'accord. France, il faut le certificat de capacitaire pour les oiseaux qui ne chassent pas, sauf si vous n'êtes pas chasseur, donc là, il vous faudra le capacitaire forcément. Mais il vous faudra de toute façon en France, si vous obtenez des buses pour la chasse, il vous faudra juste le permis de chasse. Et après, vous devez aller voir un éleveur de buses, et seul lui. Et ça doit être, à mon avis, super encadré, est apte à vous fournir un animal. Les éleveurs de buses, ce sont des fauconniers, et oui, c'est super encadré. Les oiseaux doivent être pagués ou Oui, c'est bussés. ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très très protégé et pas à la portée de n'importe quel. En fait, je vais être vulgaire, mais n'importe quel couillon qui voudrait faire ça pour s'amuser avec des rapaces et faire du mal aux rapaces ne pourrait pas le faire. On le détecte très bien avant. Donc ça c'est intéressant. Et moi j'ai une dernière question si vous me permettez parce qu'elle vient de. J'ai mon chihuahua qui m'est passé devant et ça m'a réveillé la question. Est-ce que votre animal représenterait, même si vous ne chassez évidemment sûrement pas dans le centre d'une ville, mais est-ce que, par exemple, voilà, j'ai la malchance ce jour-là de me trouver dans un champ voisin à jouer avec mon chihuahua et vous chassez par là. Est-ce qu'il y a quand même un risque que la buse s'en prenne au chien ou pas? Franchement, je vais dire le risque est minime. Il serait vraiment minime. Un chihuahua, ouais, si maintenant votre chihuahua a la couleur d'un lapin, forcément. Ça pourrait D'accord. arriver, mais c'est pour ça, en fait, quand on chasse, on a toujours l'oiseau au gant. Donc, on a les lanières en cuir léger qui sont enroulées autour des doigts. Et comme pour la chasse à tir, parce que ça, pour moi, ça vaut pour la chasse à tir aussi, tu ne lâches pas ton oiseau tant que tu n'as pas vu sur quoi tu lâches ton oiseau. D'accord. C'est Ok. la même chose. Voilà. Et de D'accord. toute façon, Mais donc, alors là, c'est sur quelque chose que j'avais instinct, mal c'est compris. pas fou. Vous avez l'animal à gants, enfin, je sais pas comment on appelle ça, vous Oui. m'excuserez le terme technique, je ne suis pas initié, mais vous avez l'animal donc sous contrôle, et vous laissez le chien débusquer. Quand le chien débusque l'animal, vous, en tant que personne responsable, en tant que fauconnier, vous analysez si l'animal correspond à ce que vous êtes en droit de prélever. Et seulement si toutes ces conditions sont réunies, vous lâchez la buse. Ah oui, ça doit glisser D'accord, ben moi fort. je n'avais pas compris ça comme ça, donc c'est bien qu'on y arrive. Parce que moi je voyais la buse lâcher tout court, le chien rabattre des trucs, et quand elle attrapait quelque chose, revenir vers vous. Mais ça marche pas comme ça. En fait, Non, la buse, vous. elle reviendra pas vers vous, hein, ça faut pas espérer, hein. D'accord. Et comment ça se passe alors? Bah, une Comment buse. vous attrapez, vous, le lapin? Ah, faut courir derrière son oiseau.
Ah oui, donc en plus, vous êtes un... C'est vraiment... Alors, contrairement à la chaîne, vous êtes vraiment un sportif, en fait, vous. Ok, Ah ouais, c'est un peu sportif aussi. mais donc, vous, ce qui est important que les gens comprennent, c'est que vous avez la maîtrise de A à Z. Et que donc, en théorie, par définition, si mon chihuahua passe dans le champ, ben, vous ne lâcherez pas votre animal, donc il ne peut pas y avoir d'accident. On essaye de la... enfin, on essaye. Non, on lâche les oiseaux uniquement dans des endroits. Si on a envie de chasser branché, comme on dit, si on a envie de chasser de la branche, on lâche les oiseaux uniquement dans les endroits où il n'y a pas d'animaux domestiques. Ça me paraît logique. Ah oui, c'est Et logique, mais il y a des gens qui ne suivent pas la logique toujours. si vous voyez le moindre truc, mais personnellement, même avec les années que j'ai fait en volerie, j'ai jamais vu un accident. Pourtant, il y avait des chiens, des chihuahuas, il y avait de tout, il y avait même du furet, donc. Faut savoir que la fauconnerie peut se pratiquer avec un furet aussi. Un furet, c'est-à-dire comme proie ou comme animal d'aide? Comme animal d'aide. Bah, excusez-moi, ne riez pas, j'en sais rien. Moi, un furet pourrait se faire bouffer par un faucon, ça a la taille quand même. Non. Ah, ça pourrait, mais en fait, quand on affecte nos oiseaux de proie, en fait, on les créance, on appelle ce qu'on appelle créancier, on les créance sur un type de gibier ou un autre. Donc En fait, c'est voilà. une sorte de Sinon. sociabilisation de l'oiseau. Vous lui apprenez quelles espèces sont les espèces à chasser, quelles espèces ne se chassent pas, on dirait ça C'est comme ça. ça? C'est D'accord. ça. Mais alors, alors c'est pas bête. Enfin, alors là, moi, il y a un truc que je suis, comme éthologue, je trouve ça bizarre, mais c'est quand même, ils sont pas si cons que ça, alors ils sont pas bêtement prédateurs, hein, s'ils sont capables d'assimiler espèces amies, Ouais, non, espèces. ils ont quand même une intelligence. Hein. J'ai pas dit qu'ils étaient cons comme des pots non plus. Ah, j'ai pas dit que Non, vous ils avez ont dit quand même qu'ils une étaient cons, mais vous intelligence. m'avez dit qu'ils ne pouvaient pas avoir d'attachement parce qu'ils sont vraiment très, 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 très primitifs. Ah oui, ils sont très primitifs, mais par exemple, moi je vais lui montrer avec. Donc ici j'ai un leurre en fausse fourrure synthétique. Oui, c'est vrai, c'est en fausse fourrure synthétique. Donc déjà, je vais lui apprendre à viser la tête de l'animal. Comme ça, il arrive à le tuer sur le cou en général. D'accord. Donc on lui apprend à prendre sur la tête. D'accord. Sinon, voilà, par exemple, voilà, maintenant je vais chasser le lapin. Donc on va privilégier de prendre un furet blanc, d'une couleur totalement différente au lapin. Comme ça, l'oiseau a compris. Et D'accord. c'est que le blanc, on ne mange pas. D'accord. Et Parce qu'il n'a confirmez-moi ça pas. parce que ça, c'est une... Allez, c'est pas, ça doit être, si c'est vrai, c'est un fait. Si c'est pas vrai, c'est quelque chose qui circule beaucoup. Les faucons et la majorité des rapaces en général, peut-être pas les rapaces nocturnes par la définition, mais est-ce que c'est vrai que ce sont, est-ce que si vous êtes au courant d'ailleurs, les oiseaux, en tout cas, font partie des animaux qui ont la meilleure vue et que du coup, forcément, ils distinguent très très bien de très loin ce qu'ils sont en train de poursuivre? Ah, c'est certain, et ça vaut pour les hiboux aussi. Mais moi je pense aussi, mais c'est vous qui me disiez que... Je vais dire qu'une buse de haris peut voir une balle de ping-pong à 5 km. D'accord, donc c'est bien l'animal du règne animal, ou un des animaux du règne animal qui a la meilleure vue, donc forcément, lui il peut faire l'indistinction, selon vous, entre un petit chien et un lapin, rien que parce qu'il voit bien que c'est pas Ah la même oui, chose. de loin, de loin. Et pour le hibou, lui, il voit très très bien de loin aussi. Il voit très très bien dans la pénombre. Enfin, il voit très bien. Il voit bien dans la pénombre aussi. Il voit pas clair comme en plein jour, mais il voit mieux que nous dans la pénombre. Et le paradoxe qu'il y a, c'est qu'à partir de 10-15 cm de son visage, il ne voit plus. C'est trouble pour lui. Mais alors pourquoi vous me dites, enfin ça c'est une question, c'est de mon ignorance hein, que je vous la pose, donc c'est pas, je vous piège pas, hein, c'est parce que je voudrais apprendre un petit peu, mais je lirai le livre. Je l'ai noté, merde, mais tain, mes notes, moi c'est vraiment le bordel aujourd'hui, parce que je vais passer tellement, mais je l'ai noté et ça m'intéressera. Mais vous me dites qu'il chasse essentiellement au son, mais moi alors du coup j'avais cru comprendre que c'est parce qu'il n'y voyait pas grand-chose. Non, ils y voient, mais bon, ils entendent mieux que ce qu'ils voient donc, la nuit. Donc, ils voient mieux que vous. Ils voient comme un chat, plus ou moins. D'accord, son Mais ils ichtyalope. chassent essentiellement. Donc, je veux dire, une chouette effraie peut chasser dans le noir qu'elle le plus complet. Parce qu'elle ne chasse qu'à l'ouïe. En fait, Donc ils c'est sont. vraiment un Je sais pas si vous super avez remarqué. prédateur, il a vraiment, c'est un super prédateur le hibou quoi. Il a la vue Mais et si la vue lui manque, les il a hiboux, c'est l'ouïe. la même chose. Pardon? Je dis les hiboux, les buses, c'est la même chose. Les rapaces, ce sont des super prédateurs. Ah bien sûr, mais est-ce que la buse a l'ouïe aussi fine que le hibou? Pas au point d'entendre une souris marcher, mais la louie fine quand même. D'accord. Donc Voilà. c'est quand même des animaux. Enfin, c'est impressionnant. En fait, ce serait presque comme si on chassait avec des loups, quoi. On est à ce niveau de tradition-là, en fait. Oui, encore différent.
Oui. Donc vous parliez de Louis là. Pourquoi vous pensez que les chouettes et les hiboux en général ont le visage en forme de disque? Parce que je suppose que c'est pour réceptionner le son, un petit peu comme C'est des ça. pavillons auriculaires. C'est ça. Et contrairement à nous, ils ont une oreille plus basse que l'autre. Il y en a une qui est orientée vers le bas et une qui est orientée vers le haut. Et avec ça, ils D'accord. savent précisément où se trouve le moindre son. Et moi j'ai une question pour vous, mais d'un ordre plus pédagogique. Est-ce que ça existe des groupes de personnes comme vous qui apparemment, en plus de le pratiquer, enfin ça s'explique, hein, vu que c'est élitiste et que vous avez, c'est pas, il faut bien s'y connaître pour le pratiquer, donc c'est normal que vous y connaissez bien, mais est-ce qu'il y a une démarche, une ASBL, quelque chose pour défendre la fauconnerie, pour aller dans les écoles expliquer ce que c'est, quelque chose comme ça, ou ça n'existe pas? Il y a des petites ASBL qui le font, oui. Il y a des gens qui proposent également des stages payants. Donc, mais c'est pour montrer de la volerie et pas de la fauconnerie. D'accord. Faut savoir que les vrais fauconniers, donc les chasseurs, ont le respect de transmettre leur art gratuitement. D'accord. Mais je Voilà, parlais vous même pas allez spécialement payer, vous allez d'assister inscrire à ça, hein, mais vraiment d'aller expliquer aux nouvelles générations de personnes ben, ce que c'est. Parce que vous êtes 8, donc forcément vous n'êtes pas nombreux. Et si c'est préservé par l'UNESCO, c'est qu'on a peur que ça disparaisse aussi. Donc. Moi, je me demandais si vous faisiez quelque chose, pas vous personnellement, hein, parce que vous n'avez pas de responsabilité de la fauconnerie, mais si les fauconniers faisaient quelque chose pour faire en sorte que ça ne se perde pas, justement, tout simplement. Il y a toujours de légers intérêts des gens et en fait en général il y en a beaucoup qui abandonnent très très vite. D'accord. Donc, en fait, il faut Parce que vraiment être passionné parce que, c'est une charge, hein. en plus de tout ce que Oui. ça implique, c'est pas rempli que de personnes honnêtes non plus, quoi. Non, non, il y en a aussi, mais ces gens-là abandonnent très très vite et puis en général le fauconnier le voit très bien, donc Parce que le fauconnier maintenir n'a pas accès. votre animal n'est nourri que de proie ou pas? Il est nourri essentiellement, ben maintenant on est en saison de chasse, essentiellement de proie, donc elle va manger au maximum de ses proies, sinon elle est nourrie avec d'autres substituts. D'accord, et donc là c'est. Mais elle est nourrie quoi, elle est vraiment nourrie. Ben, je fais pas peut-être comme dans Ah, des une fois zoos, mais. qu'à partir de février, on fait ce qu'on appelle on nous l'allonge, et là en fait l'oiseau rentre en mue, l'oiseau va muer. Et pour que l'oiseau fasse une belle mue forte et rapide, on va remplir l'oiseau en poids plein avec de la nourriture riche. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est une nourriture spécialisée? Ou alors c'est comme dans les zoos des souris, des rongeurs ou... Ah mais de toute façon ça ne mange que ça ne mange que des animaux, hein. Ça Ah mange que oui, des mais vous animaux pourriez, indirectement, pareil, les vous autres pourriez... provinces. Non, non, j'ai pas, faut pas, non, mais je suis pas complètement débile. Vous avez pas lui donner des carottes, mais je veux dire par là, est-ce que c'est des... Par exemple, il pourrait manger... Bah, je vais pas dire une pâtée, mais une bouillie de viande Oh non, ça concentrée. c'est hors de question. Non, ils doivent manger l'animal entier. Ah C'est oui, ils doivent important. manger l'animal entier parce qu'ils doivent avoir les plumes, ils doivent avoir les os parce qu'ils digèrent une partie des os pour leur calcium. Le poussin est assez complet, mais de donner que ça, ce n'est pas bon non plus. Donc on varie entre poussin, caille, rat, pigeon. D'accord. Poussin, caïra, pigeon. Voilà. Et vivant, Donc, congelé, il y a une éthique là-dessus non, non, aussi non, ou non, pas? non, 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 là-dessus c'est du congelé, hein. Donc Ça, il y a c'est. même une éthique à ce niveau-là aussi. Ok. Ah oui, Bah bon, donc, vous voilà, devriez vraiment vous promouvoir imaginez? la fauconnerie. Hein. On vous soutiendrait tous, je crois. Donc, bah non, merci beaucoup parce que c'était très, très enrichissant. C'était même un peu. Ça faisait même du bien. Parce que je Vous allez pense. peut-être devenir fauconnier dans les jours à venir. Non, parce que si je suis comportementaliste et pas vétérinaire, c'est parce que je ne pourrais jamais. Même ouvrir un animal pour l'aider, je pourrais pas. Donc, achever un, je ne pourrais Ah, pas. ça. Mais bon, ça c'est chacun sa sensibilité. Hein. Moi, je voilà. Mais voilà. En fait, je ne Oh, vois quoi, même si quoi, je suis un quoi. farouche animaliste, je vois rien à vous reprocher en fait du tout. Et je trouve que c'est important d'avoir des témoignages comme ça, parce que même si je n'ai aucune volonté de piéger les interlocuteurs que j'ai, à chaque fois eux-mêmes en fait dans le discours pro-chasse se contredisent en fait parce qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. Parce qu'il dirait oui, s'il y avait des prédateurs, on ne devrait pas le faire. Oui, mais on ne peut pas réintroduire les prédateurs. Quand ils donnent la raison n'est pas bonne. Ils disent oui, mais l'égrainage est interdit. Ils me disent, mais là, avant, à Ciney, j'ai déjà participé à de l'égrainage. Voilà, donc. Ah, mais l'agrainage, normalement, est contrôlé par le DNF et le garde-chasse, normalement. Ah oui, mais si tout se passe normalement, tout va bien. Le problème de la chasse et Ah qui oui. vous donne une mauvaise réputation, c'est que tout ne se passe pas dans le cadre. C'est ça le gros problème.
Ah non, non, je suppose qu'il y a des fauconniers qui font du grand n'importe quoi aussi, Oui, ça j'en doute pas une seconde, bien sûr, bien sûr. Mais ça doit être plus difficile parce que je pense. En fait, je pense pas qu'il y ait un lobby de la fauconnerie. Par contre, il y a un lobby assez pas du puissant tout. de la chasse. Et ça fait que, bah, par exemple, pour l'exemple de la France, parce qu'on travaille en France aussi, quasiment n'importe quel consanguin peut avoir un permis de chasse. Donc. Ah oui, j'ai entendu ça, que c'était même dans certains départements c'était gratuit, dans d'autres c'était 40 euros. Voilà, donc c'est pas la Et même puis, chose. pour vous dire, il y a beaucoup de Belges qui vont passer le permis de chasse en France, parce qu'en France, il est beaucoup plus facile. Voilà, mais parce qu'il y a un lobby très puissant, d'où le fait Si, si, que. si, je peux vous conseiller d'une fois aller voir, d'une fois aller essayer de passer le permis de chasse vous-même, juste pour vous rendre compte de la complexité de la chose. Vous pouvez une fois aller voir, il n'y a aucun problème. C'est vraiment les questions que cela pose Donc le royaume de Belgique encadre sur. beaucoup mieux la chasse que la France. Ah oui, ça pour ça, franchement, ça, je suis bien content d'être belge, je suis très bien, je suis même très fier de l'avoir passé en Belgique. Parce que Ben j'ai oui, appris beaucoup de choses mais. sur le gibier. Mais à partir du. Vous, est-ce que la chasse à courre, c'est quelque chose qui vous choque ou pas? J'aime pas du tout la chasse à courre et heureusement, c'est interdit en Belgique. Et alors pourquoi la chasse à l'abattu, ça vous choque pas plus que ça? Je sais pas, je ne la connais pas, donc je ne vais pas la juger. Bon, j'avoue que moi, enfin, D'accord. la chasse à courre, je ne la connais pas non plus. Hein. Je ne connais pas l'éthique qui y a derrière non plus. Enfin, ils ont sûrement, ceux qui la font bien ont sûrement une éthique. Bien Mais sûr. je ne connais pas. Donc, j'ai assisté à deux battues dans ma vie. Bon, j'ai pas vu d'animaux, quoi. J'ai pas vu d'animaux morts. Non, D'accord, voilà. d'accord. Donc vous ne Et pouvez pas vous l'année dernière, prononcer, d'accord. c'était du côté de Marchand-Famenne. Ils ont quatre territoires, ils sont super bien gérés, ils font seulement deux passages par an dedans. Et là-bas, on tire pas les chèvres, on tire pas les brocards, on tire pas les jeunes, enfin, on tire pas le chevreuil du tout. Du coup, le grand cerf, on peut pas le tirer. On peut tirer qu'un daguet. Donc c'est un daguet, c'est un jeune cerf de 25, allez, ils disent la taille des bois, 25 cm, et sanglier à volonté. Donc C'est voilà, sanglier bah, à volonté. franchement. Voilà, et ils font deux bois par an, et c'est pas des chasses qui font des tableaux de 10, 15, 20 sangliers. Donc je suppose qu'il y a quand même des battues qui sont bien gérées. Forcément, quand ils rabattent, on voit les animaux, ils les font passer d'une parcelle à l'autre. Oui, c'est le Parce que vu qu'on fonctionnement, peut. hein. En fait, là, d'un point de vue éthique, c'est que, en fait, d'après le. Bon, je n'ai jamais eu qu'une dizaine de témoignages, hein, en 3 jours, mais c'est que vraiment, l'abattu. Or, moi, je n'imaginais pas ça du tout comme ça. Donc, à la limite, j'étais même pas contre spécialement, moi. C'est vraiment comme de la chasse à courre, sauf qu'il n'y a pas les chevaux, quoi. Mais c'est vraiment. Les chiens, ça s'en prennent à l'animal. Les chiens ont de grands risques d'être blessés. Ah. Donc il y a beaucoup de choses et c'est aussi une question très, c'est aussi quelque chose qui est très particulier envers le domaine des chasseurs traditionnels, enfin mainstream, on va dire ça comme ça, parce que moi je viens d'avoir avant vous un chasseur qui adore ses chiens et il adore ses chiens, ça se voit et bref son profil, enfin ça se voit. Mais moi je lui dis mais enfin, ça vous fait pas peur? Rien que pour ça, moi, je ne pourrais pas. Ça ne vous fait pas peur que vos chiens meurent, parce que ça arrive très souvent. Ça peut arriver, oui. Ah, mais ça arrive souvent que les chiens soient sangliers, c'est pas un lapin, donc ça arrive souvent. Ah ouais, Et moi, rien que pour ça, je fais, mais vous aimez vos chiens, ça se voit, et vous n'avez pas peur pour eux. Et eux-mêmes sont dans des paradoxes internes, en fait, parce que, faut selon savoir que eux... ces chiens aiment ce qu'ils font et c'est comme ça. Oui, ces chiens aiment ce qu'ils font, oui, non, ils sont conditionnés quand Voilà, même. mais non, moi je lâche ma buse pour aller chasser, je lâche ma buse, il y a bien un grand duc qui peut passer par là et choper ma buse aussi. C'est possible. Mais c'est. Moi, je vous garantis que si vous Pas commencez à pratiquement. comparer les statistiques de bus chopés par des grands-ducs et de chiens ouverts par des sangliers, je crois que je gagne. Hein. Je crois que je gagne, Ouais. heureusement pour les buses. Mais donc, oui, et c'est ça le paradoxe du chasseur. C'est que. C'est mettre son animal en danger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, au tout départ, l'Alliance Animale s'était intéressée à la chasse, parce que c'était la condition des chiens à l'époque qui était horrible. Parce qu'on ne voulait pas se mêler de la chasse pour la chasse. Mais c'est les chiens qui. Maintenant, ça a fort évolué quand même depuis les 5 dernières années. Peut-être grâce aux chasses bashing qui a fait changer certaines choses positivement.
En tout cas, à ce Chasse niveau-là. machine. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, avec tous les caméras cachées qu'il y a eu dans les mauvais élevages de chiens, le lobby français de la chasse s'est bougé un peu le popotin pour sanctionner vraiment ces gens-là et s'assurer qu'on traite bien les chiens de chasse. Donc ça, c'est plutôt Bah quelque oui, chose de bah, positif. vous pouvez venir à la maison, elle est très très bien Mais je parle gérée. pas de vous, hein. Je parle pas de vous spécial. Je parle pas de vous du tout, d'ailleurs, même pas spécialement. Mais je dis que les gens qui font de la chasse à courre en France, etc., généralement, les meutes de chiens, c'est assez triste à voir. C'est le problème de la France, Et c'est beaucoup un de point là. chasseurs qui font. Voilà, encore le vétérinaire m'expliquait que. Et ça, c'est en Belgique, hein. Que certains chasseurs, si on leur dit, ah ben votre chien doit être XXX, ça fait tellement de frais, à moins que le garde-chasse prenne en charge les frais, il y a quand Non, même non, une c'est partie de toujours chasse. le conducteur de chien, c'est toujours lui qui paye ses frais, hein. En fait, ce qu'ils Mais m'ont c'est comme ça. expliqué, c'est qu'ils ont une sorte de mutuelle, mais ils ne sont pas obligés tous de l'avoir. On peut chasser sans ça. Et que, Oui, bien sûr. voilà, mais donc du coup, que si c'est le chasseur qui doit faire les frais, il y a, on va dire maintenant, ça évolue heureusement, on va dire qu'il y en a encore 15%, d'après ce que m'a dit le vétérinaire, mais c'est trop, qui préfèrent abattre un chien dans leur jardin pour en racheter un, que de soigner leur chien. Et ça, ce Ah sont des mais choses qui ne sont pas éthiques et qui ne sont pas bien, à mon il y a sens. combien de particuliers qui font euthanasier leurs chiens parce qu'ils ne savent pas payer les frais? Il y en a beaucoup plus que des chasseurs. C'est pas, non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Là, en fait, on ne peut pas comparer parce que le particulier n'est pas responsable. Enfin, ou alors s'il l'est, c'est comparable. Mais bon, moi, mes chiens sont assurés, donc la question ne se pose pas. Mais si il m'arrive un accident et que je dois malheureusement endormir mon chien, bah, c'est pas parce que je lui ai demandé de poursuivre un sanglier et qu'il s'est fait attaquer. Ah oui, c'est sûr. Donc, je suis pas responsable de ça. On ne leur demande pas de courir après un sanglier, ils le font naturellement. Donc, Ils sont conditionnés, ils sont choisis génétiquement et reproduits pour moi reproduire j'ai. les plus. Ok, bah, là-dessus, moi je vais vous dire, j'ai un deuxième chien. C'est un chien primitif, donc c'est une race d'origine, il n'y a pas de modification humaine. Primitif, c'est-à-dire, c'est quelle race? C'est un chien. C'est thaïlandais à crête dorsale. D'accord. Bah lui, s'il voit un grand gibier, il part derrière, hein. Mais ça, vous dites bien que Même c'est. un bout. Oui, mais alors dans les Même chiens, il y a temps. plusieurs familles de chiens. Donc vous avez les chiens de chasse. Vous avez les chiens primitifs dans lesquels vous avez les huskies, vous avez même les petits spitznas et les choses comme ça, qui sont des chiens primitifs et qui sont des chiens justement, d'où leur nom, qui ont gardé beaucoup de ce qu'on appelle des patrons moteurs, lupins. Donc oui, maintenant moi ce que je vous explique, c'est que dans la chasse, évidemment que les chiens de chasse, dans les élevages de chasse, ont fait reproduire les meilleurs chasseurs. Et on ne fait pas reproduire spécialement ceux qui ne sont pas très intéressés par la chasse. C'est sûr. L'élevage canin a toujours été un travail de sélection génétique. C'est pour ça, comme je vous expliquais en début de conversation, maintenant les chiens de combat sont de bons chiens de compagnie parce qu'on a fait une sélection. Et donc on pourrait tout à fait sélectionner les chiens de chasse pour faire perdurer la race en diminuant cet instinct de chasse. Vous voyez ce Avec que je la veux race que dire? j'ai, c'est déjà fait, hein. C'est-à-dire que c'est pas un chien de chasse. Vous n'avez pas été chercher ça. Si, si, la mienne, c'est un chien de chasse. Donc, Donc. mais dans le Springer espagnol, vous avez deux types. Vous avez le type de chasse et vous avez le type beauté. Oui, il y a le travail. Oui, d'accord, oui. Et vous, c'est une beauté. Non, non, moi, c'est un chien de travail. Bah donc. Et donc, c'est un chien de travail parce que je l'ai pris, parce que j'avais besoin d'un chien fiable. Mais donc on est d'accord. Donc il vient d'une lignée qui a été choisie pour ça. C'est ça. Mais donc moi ce que je vous dis c'est que c'est dans l'instinct de vos chiens, ça c'est vrai, mais si on voulait faire en sorte de ne plus utiliser le chien pour la chasse, ces races ne disparaîtraient pas. Parce que les chiens de chasse sont aussi de très bons chiens de compagnie, même si on ne chasse pas avec eux. Ah oui, ce sont même les meilleurs chiens de compagnie. Ils sont très très fidèles à leur maître, hein. Oui, il n'y a pas de meilleur. Mais bon bref, ce sont des très bons chiens de compagnie. Moi je trouve que mes Ah staffs et mes chihuahuas sont sûrement aussi bien qu'un chien de chasse, mais donc voilà. la mienne vit constamment à l'intérieur, elle est constamment dans mes jambes. J'arrive pas à faire j'ai du mal à faire marcher mon chien en laisse parce que mon chien a l'habitude d'être libre et mon chien est toujours à côté de moi. Ah bah oui, mais c'est qu'il est bien. Mais je remets pas en cause votre chien. Je dis juste que
Le paradoxe, qui ne vous concerne pas, vu que vous, votre chien ne risque rien, sauf s'il y a vraiment un gros pépin, mais qui ne serait même pas dû à la chasse au lapin. À lapin de Tchernobyl. Voilà. Mais moi, c'est ça le paradoxe que moi, j'ai le plus de mal à comprendre. Et j'ai des chasseurs qui me disent clairement, moi, j'ai des chiens, mais je chasse pas avec eux parce que j'ai peur pour eux. Donc, il y a de ça aussi dans les chasseurs. C'est le paradoxe du gars qui adore son chien, mais on le voit qu'il aime son chien. Parce que la vétérinaire me dit, mais je comprends pas, il poursuivait un gibier, il s'est brisé la colonne, il a enfin, fracturé avec je sais plus quoi, mais en gros, il a eu un truc très lourd. Ça a coûté des milliers d'euros. La famille venait tous les jours au cabinet, ils étaient tous derrière lui. Enfin, ils l'ont soigné, mais c'était admirable, quoi. Bon, c'était pris en charge par le garde-chasse, mais peu importe. Et contre l'avis du vétérinaire, ils l'ont refait chasser dès qu'il a pu. Ben moi, ça, je comprends pas. Mais ça, c'est mon opinion. Donc voilà. Ça dépend, enfin moi je dis ça dépend parce que voilà, ça dépend aussi du comportement du chien, ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend de vous. En tout cas, merci pour votre éclairage très 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 intéressant sur la fauconnerie.